Ça fait 4 ans que ce stage est réalisé avec toutes les féminines de la région Centre et c'est un vrai moment de convivialité. On se retrouve toutes, différents niveaux, différents âges, il faut le dire, différentes aussi fonctions d'arbitrage, certaines sont spécifiques, certaines sont centrales. Et c'est un moment de convivialité, on permet d'échanger, de conseiller les nouvelles, d'échanger de nouvelles méthodes. Et c'est surtout un moment de convivialité, on peut poser des questions vraiment individuelles et on apprend comme ça. Depuis quelques saisons, nous avons mis en place ce stage spécifique réservé à toutes les arbitres féminines de la Ligue, avec plusieurs objectifs et on a réaffiné les objectifs en collaboration avec la DTA et les préconisations de la DTA, de la Direction Technique de l'Arbitrage, qui sont entre autres la mise en place d'un référent. Donc le référent maintenant qui est sur l'arbitrage féminin, c'est Olivier Husset, qui était ancien arbitre fédéral au sein de la Ligue du Centre Val-de-Loire de football. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire évoluer, d'aider les filles qui ont un potentiel intéressant pour aller éventuellement dans une carrière fédérale, mais surtout régionale, et quand même les faire évoluer au niveau le plus intéressant pour elles. Voilà, que ce soit district, régional ou fédéral. Le troisième objectif, c'est d'augmenter le nombre d'arbitres féminines et on pense qu'en créant des stages de cohésion où elles sont ensemble, où on les fait pratiquer sur différents exercices, c'est que toutes les autres filles au sein de la Ligue ou ailleurs se rendent compte qu'on peut arbitrer aussi, que ce n'est pas réservé qu'aux garçons. Et le dernier, c'est surtout de les fidéliser. Et là, lors de ce stage, c'est ce qui est intéressant, c'était donc le quatrième et on a des filles qui sont là depuis le début. Plus de la moitié des filles qui étaient présentes ce jour, elles étaient là au premier stage. Je dirais de venir, qu'il y a de la place. Le football, c'est un sport mixte. Le football féminin se développe de plus en plus, l'arbitrage aussi. Pour celles qui veulent monter, il y a aussi des passerelles. Il y a la possibilité de monter. Même si elle reste au niveau district ou régional, le football reste le même. C'est un jeu, c'est un plaisir. Donc venez.